Si vous êtes fan de la série, ça n'a pas pu vous échapper. Game of Thrones est un endroit rempli de sympathiques gaillards plein de bonne volonté, mais également fréquenté par des personnes terriblement maladroites. Et comme chacun sait, un accident est si vite arrivé. Les cuisiniers utilisent des produits pas toujours très frais, et il y a régulièrement des pénuries de croquettes pour dragons, ce qui les rend un zeste irritable. Bref, vous l'aurez compris, survivre dans Game of Thrones, c'est vraiment pas une sinécure. Comme il ne reste plus qu'un épisode et qu'on aimerait bien garder Tyrion jusqu'au bout, on s'est dit qu'on allait lui filer un coup de main. Pour ça, on a fait quelques stats pour l'aider à ne pas calancher. Comment ne pas se faire décalcifier dans Game of Thrones, c'est ici et c'est maintenant. Premier constat, 52% des personnages décèdent au cours de la série. Rapporté à la population mondiale, ça ferait 3,9 milliards de cadavres. Rien que pour la première saison, le taux de mortalité a été de 28 sur 128, soit 22%. Un taux d'homicide 400 fois plus élevé qu'en Colombie. À ce tarif, il vaut mieux être un homme de main d'un baron de la drogue que de vivre dans l'imaginaire de George Martin. Chapitre durée de vie. 50% des maladroits qui meurent passent moins de 4 minutes à l'écran. Bonjour, signez votre contrat, c'est ici. C'est bien un CDI ? Oui oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Et paf ! 4 minutes plus tard, rupture de contrat pour la seule raison non contestable au prud'homme, la mort. Les éphémères ont une vie 360 fois plus longue. Si on rapporte ça aux deux naissances sur l'ensemble des 7 saisons, malgré quelques bonnes volontés qui se dévouent corps et âme au repeuplement, c'est quand même assez mal barré pour la démographie en Westeros. On note également que la mort s'énerve quand la saison avance, deux fois plus de morts dans le dernier épisode que dans les autres. Les causes des accidents sont variables. Certains oublient de nourrir les animaux de compagnie, beaucoup se blessent en jouant avec leurs petits camarades, d'autres jouent avec des cordes, d'autres encore jouent avec le feu. Bref, il n'est pas bon de jouer en Westeros. On note également la présence de deux extraterrestres qui meurent de causes naturelles, probablement dans leur lit. Comme quoi, même dormir, c'est dangereux. On vient de le voir, la mort frappe avec régularité, entrain et bonne humeur. Mais frappe-t-elle vraiment au hasard? Pour le savoir, quelques petits graphes bivariés. Premier constat, sans surprise, elle frappe plus les combattants que les autres. Grave question, les femmes sont-elles protégées de tant de haine? A priori, elle frappe plus les hommes que les femmes, 56% contre 39%. Mais parmi les combattants, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, pour avoir confirmation, il faut faire une petite régression logistique, ou plus simplement un graphe prenant en compte le sexe et le statut. Et là, surprise, à métier égal, le taux de décès des hommes et des femmes est très proche. Donc, contrairement à une rumeur bien établie, la mort n'est pas sexiste. Elle n'est pas non plus branchée voyeurisme, ceux qui apparaissent nus meurent aussi bien que les autres. Tyrion, tu peux garder tes braies, ça n'est pas ça qui te sauvera. Par contre, elle n'aime pas les pervers. 78% de chances de mourir pour les déviants sexuels contre 48% pour les non-déviants. Clairement, elle n'aime pas non plus les riches. Pour le statut social, c'est plus subtil. Elle n'aime pas la haute noblesse, mais elle n'aime pas non plus les roturiers. Elle aime les classes moyennes. Pour une fois que c'est pas elle qui trinque. En tout cas, elle a une âme charitable, elle protège ceux dont le métier est pénible, les prostituées n'ont que 12% de chances de mourir. Elle aime aussi ceux que tout le monde aime, les populaires s'en sortent plutôt bien. Mais surtout, la mort n'aime pas les impopulaires. La moyenne d'impopularité des morts est 2,9 fois plus élevée que celle des vivants, avec un petit P fortement significatif. Voilà Tyrion, tu sais tout. Premier constat, non, la mort ne frappe pas au hasard. Deuxième constat, pour survivre, pas la peine de changer de sexe ou de te déshabiller, il suffit que tu renonces à tes biens. A un peu de ta noblesse, mais pas trop, tu ne reprends surtout pas ton vilain métier de combattant et ta popularité fera le reste. Ah oui, j'oubliais, n'oublie pas de vendre ton corps à la nuit. Cette étude a été réalisée avec le logiciel d'analyse statistique R++, sur la fantastique base de données collectée par Roman et Lucas. Pour plus de détails, vous pouvez consulter leur site web, super bien fait. Pour tester R++, inscrivez-vous au bêta test, c'est gratuit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle vidéo où on discutera de la place des femmes dans Game of Thrones. Pour ne pas la rater, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager. A très vite !